parler de la restauration divine. We are going to talk about divine restoration. Après, and after, nous allons prier. We pray. Mais avant de prier, but before praying, s'il y a les nouvelles âmes, est-ce qu'il y a de nouveaux, est-ce qu'il y a un invité, lève la main. Is there an invitee here? Raise your hand. Oui, il y a des invités. Yes, donc, there are invitees. Oui. Yes. Vous méritez qu'on vous explique ce passage-là. You need that we explain this passage to you. La restauration. Restoration. Est programmée dans le plan de rédemption. It is in the plan of redemption. Dieu ne peut pas sauver quelqu'un sans le restaurer. God cannot save somebody without restoring him. Lis pour nous Ézéchiel 36, versets 26 et 27. Read for us Ézéchiel 36, verse 26 and 27. Ézéchiel 36, 26, 27. Ézéchiel 36, 26 and 27. Ézéchiel chapitre 36, du verset 26 au verset 27. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Ézéchiel chapitre 36, reading from verse 26 to 27. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Amen. Président de Gonzague, que tout le monde vienne, tous ceux qui se promènent là. Non, c'est ça. Tant que ce n'est pas rempli ici, là, personne ne soit derrière. Ça, c'est les dernières batailles, il faut être vigilant. Voilà, voilà. These are the last battles, so we must be vigilant. Prenez bien vos places. Take your seat. Les démons aiment le désordre. Demons love disorders. Vous avez écouté le témoignage du jeune frère. Est-ce qu'il est là? You listen to the testimony of the brother. Is he around? Comment il s'appelle? Adonis, comment s'appelle-t-il? Sylvain, est-ce que tu es là? Sylvain, are you around? Est-ce qu'il est là? Is brother Sylvain around? Aujourd'hui. Today. Non, je pense qu'il n'est pas là. He's not around. Les démons disaient à Sylvain, ne va pas là-bas. Demons told Sylvain, do not go there. Ne va pas là-bas. Do not go there. Finalement, il est arrivé. And finally, he got here. Après, on lui dit, quitte. After that, they told him, go from here. Quelqu'un peut être assis auprès de toi. Somebody can be sitting near you. Tu le vois calme alors qu'il mène un grand combat spirituel. You see him calm, though he's going through a very great spiritual warfare. Luttant avec les démons. Fighting with demons. Mais il a vaincu ce jour-là. Jésus était là. But that day, Jesus was there. He overcame. Dieu ne peut pas sauver quelqu'un sans le restaurer. God cannot save somebody without restoring him.
Et la restauration se passe à plusieurs niveaux. And restoration is at several levels. Dieu change le cœur de l'homme d'abord. God, first of all, changes the heart of man. Dieu ne peut pas sauver quelqu'un. God cannot save somebody sans changer son cœur. Without changing his heart. Si tu vois quelqu'un qui te dit qu'il est un enfant de Dieu, if you see somebody who tells you that he's a child of God, que Dieu l'a sauvé, that God has saved me, que lui aussi il est chrétien, and that he's also a Christian, et tu remarques que son cœur n'a jamais changé, and you notice that his heart has never changed, ça veut dire qu'il te trompe. It means that he's deceiving il you. Il n'est pas un enfant de Dieu. He's not a child of God. Lis le verset 26. Read verse 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. I will give you a new heart. Dieu ne peut pas sauver quelqu'un. God cannot save somebody sans lui donner un nouveau cœur. Without giving him a new heart. Si quelqu'un te dit, if somebody tells you, qu'il est un enfant de Dieu, that he's a child of God, qu'il est sauvé, that he's saved, mais il boit, il fume, il se querelle, but he drinks alcohol, smoke and quarrel, plein de jalousie, full of jealousy, de haine, hatred, non, no, il n'est pas sauvé. He's not saved. Dieu ne l'a pas encore sauvé. God has not saved him yet. Quand Dieu te sauve, when God saves you, première chose, first thing, il te donne un cœur nouveau. Gives you a new heart. Je vous donnerai un cœur nouveau. I will give you a new heart. Et, oui, vas-y. Yes, go on. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et il met en toi un esprit nouveau. And he puts a new spirit in you. Dieu sait, God knows, que l'homme est mauvais, that man is que evil, son cœur est mauvais, that his heart is son wicked, esprit est distordu. His mind is distorted. Donc quand il décide de te sauver, when he decides to save you, il enlève le mauvais cœur. He removes the evil heart. Il enlève ton mauvais esprit. He removes your wicked mind. L'homme est comme un accident. Une voiture qui a fait l'accident. Man is like a car who has made an accident. Un accident grave. A very serious accident. La carrosserie, le moteur, tout est gâté. The engine, the glasses, everything is broken. Si on l'amène au garage, if we take it to the garage, on commence à couper certaines choses, enlever, changer le moteur. We start cutting something off and changing the engine. Quand Dieu sauve un homme, when God saves a man, il lui donne un cœur nouveau. He gives him a new heart. Il lui donne un esprit nouveau. He gives him a new spirit. Et ça ne s'arrête pas là. It doesn't stop there. Continue. Go on. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Il est en train d'expliquer ce qu'il va faire. He's explaining that which he'll be doing. Le cœur qu'il va te donner, the heart that he gives you, ne sera pas mauvais et dur comme le premier que tu avais. Will not be bad or evil and hard like the first one you had. Il va enlever le cœur de méchanceté. He will remove the heart of wickedness, qui est dur comme une pierre, that is hard like a stone, qui est insensible, that is insensitive, qui fait de toi un criminel, and that makes of you a criminal. Tu n'as pitié de personne. You have mercy of nobody. Tu voles. You steal. Même si ton père est pauvre, tu voles le peu qu'il a, tu voles. Even if your father is poor, the little money he has, you steal it. Tu peux être une femme douce, tendre, apparemment aux yeux des hommes. And you can be a woman apparently tender and gentle. Mais ton cœur est mauvais. But your heart is evil. Tu fouilles les poches de ton mari. You go and take money from the pocket of your husband. Tu ramasses tout ce que tu trouves dedans. You collect everything you find there. Et on frappe les petits enfants. And they beat the little children. Il y a le vol dans cette maison. There is theft. Venez ici. Theft in this house. Come here. Acclame Jésus Christ. Clap. Un cœur mauvais. An evil heart. Qui fait d'une tendre femme une voleuse. Which makes of the tender woman a thief. Parfois, toi-même, tu dis, je ne sais pas ce qui m'arrive. Oftentimes, you yourself say, I don't know what's
what is happening to me? Non, ton cœur est mauvais. No, your heart is wicked. C'est un cœur de pierre. It is a heart of stone. Jésus va enlever ce cœur-là. Jesus will remove that heart. Il va te donner un cœur tendre. And give you a tender heart. C'est ça qu'on appelle le salut, la restauration. This is what we call restoration. Dieu ne peut pas te sauver. God cannot save you. Et tu restes en panne. And you remain, you are broken down. Pauvre. Poor. Dur. And hard. Méchant. Wicked. Non. No. Dieu restaure. God restores. Dieu restaure. God restores. Qu'est-ce qu'il va faire encore? What is he going to do again? Je mettrai mon esprit en vous. Quand Dieu change ton cœur, when God changes your heart, il met son esprit en toi. He puts his spirit in you. C'est ça qu'on appelle l'Esprit Saint. This is what we call the Holy Spirit. Quand l'Esprit Saint est dans un homme, when the Holy Spirit is in a man, qu'est-ce qu'il va faire? What will he do? Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et le Saint-Esprit va te bénir. And the Holy Spirit will bless you. Avec la capacité de pratiquer la parole de Dieu. With the ability to practice the word of God. Le Saint-Esprit entre en toi. The Holy Spirit that enters you. Et il te rend capable. He enters you and makes you able. De connaître la parole de Dieu. To know the word of God. Et d'obéir. And to obey. De la mettre en pratique. And to put it in practice. Relis cette promesse-là. Read that promise again. Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. I will put my spirit in you. Je mettrai mon esprit en I vous. I will put my spirit in you. Et Dieu dit, je mettrai mon esprit en toi. He said, I'll put my spirit in you. Je mettrai mon esprit en toi. I will put my spirit in you. Et après. And after. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Je vais vous rendre capable de suivre mes ordonnances. I will make you able to obey my ordinances. Il dit, je vais te rendre capable d'obéir à ma parole. He says, I will make you able to obey my word. Que vous observiez. Non, attends, d'abord, ne sois pas pressé. Do not be in haste. Just wait. Qu'est-ce que ça veut dire, cher ami? What does it mean, dear friend? Dieu te dit, God tells you, ne crains pas. Do not fear. Moi, je vous dis la vérité. I tell you the truth. Quand on m'a prêché l'évangile, when the gospel was preached to me, j'avais peur. I was afraid. Quoi? What? Que je vais vivre sans tricher. That I will live without cheating. Au lycée. In high school. Sans boire la bière. Without drinking beer. Sans chercher les femmes. Without running after women. Les camarades. And the friends. J'ai fait de février en septembre. I went from February to September. Sans prendre de décision. Without taking any decision. Donc tu es béni. You are blessed. Parce que tu as quelqu'un qui t'encourage que non, ne crains pas. Because engage-toi. You have somebody who encourage you that do not be discouraged, be encouraged. Mais quand je me suis engagé, but when I committed myself, j'ai eu une vision. I had a vision. La même nuit. The same night. Je marchais. I was walking. Et un esprit m'a barré la route. And a spirit came to stand in my way. Je voulais me détourner à gauche. I want to turn left, right. L'esprit a barré la route. But it stood in the way. Je voulais aller à ma gauche. I wanted to go to the left. Il a barré la route. He also stood in the way. Il ne parlait pas. He did not speak. Je ne parlais pas. I also did not Il speak. Il ne me touchait pas. He did not touch je me. Ne le touchais pas. I also did not Mais touch je savais him. But I knew que je ne peux pas passer. That I could not pass by. Soudain, suddenly, je me suis retrouvé avec un marteau. I found myself with a hammer. Et dans mon intelligence, and in my mind, je savais qu'il faut frapper. In my understanding, I knew that I was to strike. Je lui ai asséné un coup. Boom! And gave him a blow. Boom! Il est tombé. I gave him a blow. Boom! And he fell. Brrr. Et j'ai entendu au-dessus de moi. I heard above me. Une voix qui a dit. A voice that said, enfin, finally, il l'a eu. He has got him. Enfin, finally, il l'a eu. He has knocked him over. Acclamez pour Jésus-Christ. Clap for Jesus. Après, after, je me suis réveillé. I woke up. Non, avant de me réveiller, before I woke up, j'ai vu les frères qui me prêchaient l'évangile. I saw the brethren who were preaching the gospel to Ils me. Ils étaient réunis. They were gathered. They were in a meeting.
De temps en temps, j'allais vers eux, mais comme le péché était là, je les évitais. Oftentimes, I went toward them, but as there was sin in my life, I avoided them. Je les évitais. I avoided them. Donc, dans cette vision, so in that vision, quand j'ai frappé cet esprit, when I struck that spirit, bon, je n'avais même plus le marteau. Quand je l'ai frappé, il est tombé, je n'avais rien en main. Je n'avais plus le marteau. After I beat him and he was knocked over, the hammer disappeared. I did not have the hammer in my hand anymore. J'ai vu les frères réunis. I saw the brethren et gathering. Je courais pour aller vers eux. And I was running to go toward them. Et je me suis réveillé. And I woke up. Quand je me suis réveillé, when I woke up, j'étais fort. I was strong. Mes sentiments étaient fermes. That my feelings were firm. Je sentais l'autorité. I felt authority. Quand je cause avec un jeune homme, when I speak with a young man, je sens l'autorité. I feel the authority. Et je prêchais l'évangile. And I preached the gospel. Il n'y avait plus l'attraction démoniaque. There was no longer the demonic attraction. Jésus est puissant. Jesus is mighty. Jésus est puissant. Jesus is mighty. Et j'étais pressé. And I was in haste. J'ai dit, oh Dieu. I said, oh God. Permets que je sois baptisé avant que tu ne reviennes. Allow me to be baptized before you come back. Vous voyez? You see? Ma pensée était sanctifiée. My thought was sanctified. J'avais hâte de rencontrer le Seigneur. I was in haste to encounter the Lord. C'est merveilleux. It's wonderful. Ça va t'arriver. This will befall you. Ne crains pas, ça va t'arriver. Do not fear. Ne sois pas de ceux qui pensent que quand ils vont donner leur vie à Jésus, vont souffrir. Do not be of those who think that if after giving their life to Jesus, they will suffer. Et cher ami, dear friend, j'ai cru en second. I believed that when I was in form 5, secondary school. Je n'ai plus jamais triché. I no longer cheated. J'ai passé tous les examens. And I passed j'ai cru, all. J'étais en seconde. I believed while I was in form 5. J'ai fait le probatoire, le baccalauréat. Je suis allé à l'université. Je suis fait le compte de formation. Je suis sorti. I went through the probatory and A-level exam. I went to university and I went through all the exams and I came out. I finished my study without cheating. Les démons me trompaient que tu ne peux pas. The demons were deceiving me that you can't. Moi-même, j'étais convaincu que je ne pouvais pas. Myself, I was convinced that I couldn't. Il y a une pensée qui me disait. There was a thought that told me. Même les génies trichent. Even genies cheat. Et puis, j'ai resté là. And I remained there. À genoux. Kneeling j'ai down. J'ai réfléchi. I think. Que je veux aller à l'école sans tricher, même un peu. That I will go to school without cheating even a bit. Jésus va te rendre capable. Jesus will make you able. Alléluia. Jésus va te rendre capable. Jesus will enable you. Lire. Read. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Amen. Praise the Lord. Lisez dans 1 Corinthiens chapitre 6. Read in 1 Corinthians chapter 6. Versets 9 et 10. Verse 9 and 10. 1 Corinthiens chapitre 6, du verset 9 au verset 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. 1 Corinthians chapter 6, reading from verse 9 to verse 10. Do you not know that the wicked will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived.
neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor male prostitutes, nor homosexual offenders, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire, cher ami? What does it mean, dear friend? Avant d'être sauvé, before you are saved, tu es un menteur. You are a liar. Tu voles. You steal. Tu es meurtrier. You are murderer. Tu peux ne pas commettre tous ces péchés-là. You may not commit all these sins. Mais but si tu commets un seul, if you commit only one, tu es coupable de tous les autres. You are guilty of all the other sins. Alléluia. Praise the Lord. Tu arraches les choses aux gens. You snatch things from people. Tu trompes les gens. You deceive people. Tu falsifies les documents. You falsify documents. Tu voles. You steal. Tu pratiques la magie. You practice magic. Tu vas chez des marabouts. You go to the witch doctors. Pour te protéger. To protect yourself. Si tu fais ces choses-là, if you do these things, tu n'iras pas au ciel. You won't go to heaven. Si Jésus revient, if Jesus comes back, tu ne seras pas enlevé avec lui. You will not be raptured with him. Et ta part, and your portion, sera dans le lac de feu. Will be in a lake of fire. C'est ce que nous étions. This is what we used to be. Mais dans le plan de restauration, but in the plan of restoration, qu'est-ce que Dieu a fait? What did God do? Lis le verset 11. Read verse 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais, but, vous avez été lavés. Vous avez été lavés, acclamez Jésus. You've been washed, clap for Jesus. Quand tu es sauvé, when you are saved, Dieu te restaure. God restores you. Nous venons de voir comment il change ton cœur. We have just seen how he changes your heart. Comment il te donne un cœur nouveau. How he gives you a new heart. Maintenant, now, qu'est-ce qui fait du pécheur sale, pourri? What does God do of with the sinner who is rotten and dirty? Vous avez été lavé. Vas-y, ensuite. You've been washed, go on. Mais vous avez été sanctifié. Vous avez été sanctifié. You have been sanctified. Sanctifié. Sanctified. Mis à part. Set apart. Dieu te connaît. God knows you. Et si tu crois, if you believe, tu seras comme nous aussi. You'll be like nous us. Étions sales. We were dirty. Mais Dieu nous a lavés. But God washed us. Il nous a sanctifiés. He sanctified us. Qu'est-ce qu'il a encore fait? And what did he do again? Vous avez été justifiés. Nous avons été justifiés. We've been justified. Justifié veut dire Dieu dit à toute l'humanité et à tous les anges. Justify means that God tells all mankind and all the angels de te considérer comme quelqu'un qui n'a jamais péché. To consider you as somebody who has never sinned. Dieu te déclare juste. God declares you righteous. Tu vis encore dans ce monde. You still live in this world. Dieu t'appelle juste. Make of you a righteous man. C'était le cas de Job. That was the case of Job. Alléluia. Praise the Lord. C'était le cas d'Abraham. That it was the case of Abraham. Il y a des gens comme ça. There are people like that. Tu déclares. You declare qu'ils sont justes. That they are just. Et tous ceux qui croient en Jésus, and all those who believe in Jesus, Dieu déclare, God declares, qu'ils sont justes. That they are just. C'est pour cette raison qu'il est dit si quelqu'un est en Christ, that's why he said if somebody is in Christ, il est une nouvelle personne. He's a new person, a new une nouvelle creature. Création. He's a new creature. Dieu te déclare juste. God declares you just. Tous les invités qui vont se lever ce soir pour recevoir Jésus seront déclarés juste au ciel. All the invitees who will rise up this evening to give their life to Jesus will be declared just in heaven. Dieu va oublier les avortements commis. That God will forget the abortions that have been committed. Les vols. The theft. Les prostitutions. Prostitution. Dieu va tout pardonner. God will forgive all. Il va déclarer que vous êtes juste. He will declare that you are just.
Ça, c'est la restauration. Continue. This is restoration. Continue. Vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ. You've been justified in the name of the Lord Jesus Christ. Et par l'Esprit de notre Dieu. Et par la puissance du Saint-Esprit. And by the power of the Holy Spirit. Ce n'est pas un homme qui te justifie. It's not a man who justifies you. C'est Dieu lui-même. It's God himself. Il dit toi. He said you. Tu es juste. You are righteous. Viens. Come. C'est tout. That's all. Personne ne peut contester. No one can contest this. Si Dieu t'appelle. If God calls you. Personne. No one. Jésus a donné une petite parabole. Ce n'est pas une parabole. C'est un fait historique. Jesus gave an historic faith. Il a dit à ses disciples. He told his disciples. Allez à tel endroit. Go to such place. Vous allez trouver un ânon attaché. You'll find a donkey that Détachez-le is attached. Et amenez-le ici. Untouched it and bring it here. Et dit. He says, si quelqu'un vous demande, if somebody asks you, qu'est-ce que vous faites? What are you doing? Dites-lui seulement, just tell him, le maître en a besoin. The master needs it. Ah, ça c'est la puissance. This is the power. Quand Dieu t'appelle, when God calls you, si quelqu'un se tient sur ton chemin, if somebody stands in your way, dis-lui, tell him, c'est Jésus qui m'appelle. It's Jesus who's calling me. Tu verras qu'il va se dégager. You'll see that he will move. Si quelqu'un vous demande qu'est-ce que vous faites, if somebody asks you what are you doing, dites-lui, tell him, le maître en a besoin. The master needs it. C'est fini. It's finished. Même tout à l'heure là. In a while, quand on va commander les démons, when we command the demons, on va dire démons, laisse cette dame, laisse cette femme, laisse cet homme. Jésus a besoin de lui. You will tell the demon, leave that person, leave that woman, leave that soul. Jesus pendant name. Que je suis même en train de parler, while we are speaking, certains s'en vont déjà. Some are already going. Je le sens dans mon esprit. I feel it in my mind. Et quand j'ai dit ça, when I said that, alors que ce n'est même pas encore le début, ils ont commencé à dire allons-y. We have not started yet, but they have started saying let's go, let's go. Dis je proclame. Say I proclaim. Que si Jésus m'appelle, that if Jesus calls me, personne ne peut m'empêcher de. No one can prevent me. Personne. No one. C'est pour ça qu'il dit par la puissance du Saint-Esprit. That's why he said by the power of the Holy Spirit. Il n'y a pas un débat. Toi, tu dis que tu es juste. On te connaît ici au quartier. Ce n'est pas toi qui faisais ça. Tu dis, mon ami, c'est Jésus qui a dit. There's no argument on that. People will tell you, you said that you are just. We know you here in the neighborhood. You do this, that. You say, no, it's Jesus who declared that. Jésus a déclaré. Jesus declared que je suis juste. That I am righteous. C'est fini. It's finished. Si quelqu'un vous demande, if somebody asks you, qu'est-ce que vous faites? What are you doing? Vous amenez cet anon où? Why are you taking this down? Dites-lui seulement, just tell him, que le maître en a besoin. That the master needs it. Et effectivement, and effectively, ils ont détaché l'anon. They detached the donkey. Les gens sont venus leur demander, qu'est-ce que vous amenez ça où? And people came and asked, where are you taking it? Ils ont dit, le maître en a besoin. They said the master is in need of it. Et l'histoire est terminée. And the story was over. La restauration. Restoration. Dieu change le cœur. God changes the heart. Il donne un esprit nouveau. He gives a new heart. Il met son esprit en toi. And he puts his spirit in you. He washes you. Ça c'est pour que tu sois pur. This is for you to be pure. Il te lave. Parce qu'il ne te déclare pas juste. Tu as les caca sur toi. On dit, Dieu a déclaré juste. Alors quand on te regarde, on voit les croûtes des déchets humains sur toi. So, partout, même dans les chaussures. You see, God will not leave a human excrement on you. And you are dirty, and then will declare you just. He will first of all wash you, remove all these excrements and waste on you, Dieu and then declare you just. Dieu n'est pas un menteur. God is not a liar. Quand il dit tu es juste, when he says you are just, ça veut dire que c'est vrai. It means that it is il a true. Lavé, nettoyé, purifié, he has washed you, cleaned justifié. You, justify you. Là où tu es assis là, tu es propre. In where you are sitting now, you are clean. Si tu ne l'as pas encore reçu, if you have not received him yet, tu as des problèmes. You are in trouble. Tu as encore les miasmes sur toi. You still have des déchets sur toi. You still have dirt on you. Tu es sale. You are dirty. Tes péchés, your sins, sont comme la lèpre.
are like leprosy. Tu es comme un lépreux misérable. You are like a miserable leper. Dont la lèpre s'est développée depuis des années. Whose leprosy has been developing for, since years. Tu as besoin d'être purifié. You need to be purified. Alléluia. Praise the Lord. Lis Colossiens 1, verset 12. Read Colossians 1, verse 12. Colossiens chapitre 1, le verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Continue. Continue. Verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. C'est bon. It's okay. Colossians chapter 1, reading from verse 12 to verse 14. Giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in the kingdom of light. For he has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son he loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Amen. Dans la restauration, in restoration, Dieu te prend du monde, takes you from the world, et te met dans le royaume de Dieu, and put you into the kingdom of God. Il nous a transférés dans le royaume de son Fils. He has transferred us in the kingdom of his Son. Il nous a enlevés des ténèbres. He removed us from darkness. Il nous a déposés dans la lumière. And he has set us into the light. Il n'y a pas de restauration sans ce transfert. There is no restoration without this transfer. Donc quand un enfant de Dieu dit, je ne suis pas de ce monde. So when a child of God says, I'm not of this world. Il dit la vérité. He's saying the truth. Il dit la vérité. He's saying the truth. Certains ignorent cette réalité-là, mais tu dois savoir que tu as connu un transfert des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan au royaume de Dieu. Some ignore this reality, but you must be aware that you have gone through a transfer. You have been transferred from the kingdom of Satan to the kingdom of God, from darkness to light. Et il dit que nous avons été délivrés de la puissance de Satan. And he said that we've been delivered from the power of Satan. Il n'y a pas de rédemption sans délivrance. There's no redemption without deliverance. La rédemption, la délivrance est un chapitre important de la rédemption. Deliverance is a capital chapter of redemption. Relis, délivré. Read it again. Delivered. Qui nous a délivré de la puissance des ténèbres. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres. He delivered us from the power of darkness. Et nous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Et nous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. And he transported us into the kingdom of his Son, the Son of his love. C'est-à-dire le royaume de qui? That is the kingdom of whom? Qui? Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Il nous a transportés. Transported us. Dans le royaume de Jésus-Christ. Into the kingdom of Jesus Christ. Le vrai roi. The true king. Alléluia. Praise the Lord. Et on a beaucoup de choses à dire dessus. We have a lot of things to say about that. Pour montrer la restauration au niveau spirituel. To show restoration at a spiritual level. Elle va jusqu'à l'adoption. It goes up to adoption. Et Dieu fait de toi son enfant. That is, God makes of you his child. Il ne te laisse pas comme un pécheur pardonné. He does not leave you there as a forgiven Mais sinner. Fait de toi son enfant. But he makes of you his child. Il y a une différence entre un pécheur pardonné. There's a difference between a forgiven sinner et un enfant de Dieu. And a child of God. L'enfant qui est devenu enfant de Dieu par le sang d'adoption. Who became a child of God through the blood of adoption. Il y a une différence. There's a difference. Tu seras enfant de Dieu. You will be a child of God. Et toi qui as déjà cru. And you who have already believed. Tu es un enfant de Dieu. You are a child of God. Toi qui n'as pas encore cru. You have not believed yet. Tu vas le devenir.
You will become. Parce que ça ne se vend pas. You will become a child of God because this is not. We do not sell this. Mais ce n'est pas nous qui te donnons ça. And we are not the one who are giving you. Jésus lui-même. It is Jesus himself. Nous te montrons la route. We are just showing you the way. Jésus a dit. Jesus said. Allez. Go. Annoncez la bonne nouvelle à toutes les nations. Preach the good news to all the nations. C'est ça que nous te devons. This, we owe you that. Cette bonne nouvelle. That good news. Qui te dit que. That tells you that. Tu ne dois pas désespérer. You must not be desperate. Tu ne dois pas te condamner. You must not condemn définitivement yourself. Comme s'il y avait une fatalité sur toi. As if there is a fatality on you. Tu seras transformé ce soir. You will be transformed this evening. Tu vas rentrer sans péché. You will go back without sin. Et avec Jésus dans ton cœur. And with Jesus in your heart. Lisons dans Joël 2. Let us read in Joel 2. Lis d'abord le verset 12, à partir du verset 12. Read from verse 12. Joël chapitre 2. Nous allons parler un peu de la restauration matérielle. We are going to speak a bit about material restoration. Vas-y, Joël 2. À partir du verset 12. Go on. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Tout commence All starts par un appel. By a call. Quand Dieu appelle un homme, when God calls a man, quand Dieu t'appelle à la repentance, when God calls you to repentance, tout commence quand Dieu t'appelle à la repentance. It all starts when God calls to repentance. Écoute ça très bien. Listen to this carefully. Quelqu'un dit, somebody said, rien ne sert d'aller. There's no need to go. Comme de savoir par où et comment aller. C'est-à-dire qu'il faut savoir, you must know, même quand tu veux aller quelque part, where to and how to go. Tu dois savoir par où on passe et comment on y va. Even though you want to, when you want to go somewhere, you must know how to go and where to you are going, by which way you should go. Si tu ne le sais pas, if you don't know that, inutile de commencer. It's useless to start. Parce que tu vas t'égarer. Because you'll be led astray. Mais ici, but here, c'est Dieu lui-même, it is God himself, qui montre la voie. Who shows the way. Écoutez comment il parle. Listen to how he speaks. Relis le verset 12. Read verse 12. Maintenant encore. Maintenant encore. Now again. Dit l'Éternel. Maintenant encore. Now again. Vas-y. Revenez à moi de tout votre cœur. Revenez à moi de tout votre cœur. Revenez à moi de tout votre cœur. Return to me with all your heart. Dieu dit. God says. Maintenant, now, ce que je désire, what I desire, c'est que chacun revienne à moi. Is that each one should return to me. Mais pas d'une façon hypocrite. But not in a hypocrite way. Il faut venir, you must come, avec un cœur vrai. With a true heart. Je vous dis la vérité. I tell you the truth. Je suis sûr, I'm sure, que parmi les invités, that among the invitees, il y a des gens qui ont déjà promis à Jésus. There are some people who have already promised Jesus. Qu'ils vont le servir. That they will serve him. Et ils mentaient. Et c'était le mensonge. And this was lie. Peut-être ils étaient coincés. Because they were stuck. Et ils se sont dit. And they said, they told themselves. Il faut que je prie. I have to pray. Pour que Dieu m'aide. For God to help me. Et ils ont été amenés à faire une fausse promesse. And they were brought to make a false promise. Dieu n'aime pas les mensonges. God doesn't like lies. Relis, écoute ce qu'il demande. Listen to what he's asking for. Maintenant encore, dit l'Éternel. Maintenant encore, dit l'Éternel. Now again, says the Lord. Revenez à moi de tout votre cœur. Écoutez ça très. Revenez à moi. Return to me. Comment? How? Il dit de tout votre cœur. He says with all your heart. Que personne ne se trompe. Let no one deceive Dieu you. Dieu regarde le cœur de l'homme. God consider the heart of man. Dieu regarde ce qui est dans ton cœur. God considers that which is in your heart. Quand tu mens, il sait que tu es en train de le tromper. When you lie, he knows that you are deceiving him. Lis dans Jean chapitre 2 verset 23 et 24. Read in John chapter 2 verse 23 and 24. Jean chapitre 2 du verset 23 au verset 24. Pendant que Jésus était à Jérusalem, écoutez très bien. Listen attentively. Pendant que Jésus était à Jérusalem, while Jesus was in Jerusalem,
À la fête de Pâques, à la fête de Pâques, at the Passover festival, plusieurs crurent en son nom. Plusieurs personnes avaient cru en son nom. Many people believed in his name. Voyant les miracles qu'il faisait. Parce qu'ils avaient vu les miracles que Jésus opérait. Because they saw the miracles that Jesus was performing. Écoutez. Listen. Mais Jésus ne se fiait point à eux. Jésus ne se fiait point à eux. Jésus ne se fiait point à eux. Jesus did not trust them. Parce qu'il les connaissait tous. Il connaissait leur cœur. Because he knew their hearts. Il savait qu'ils étaient faux. He knew that they were false. Donc, quand on lui dit, Seigneur, vraiment, il y a des gens qui ont cru aujourd'hui. Hein? Seigneur, tu as vu, les gens ont cru. Il dit, non, où sont ces gens-là? C'est les faux. So when they say that, yeah, Lord, you have seen, many people have believed today. You see the people. He said, where are they? These are false men. They are false men. Ils mentaient. They were lying. Ils n'ont pas cru. They didn't believe. Ils sont hypocrites. They are hypocrites. Et quand ils vont rentrer là, ils vont se quereller, commettre l'adultère, tuer les autres. When they go back home, they will quarrel, commit adultery. Et Jésus savait. And Jesus knew. Que pendant qu'ils étaient là, that while they were there, ils méditaient sur comment l'arrêter et tuer. They were meditating about how to arrest him. Jésus connaît les pensées des gens. Jesus knows the thoughts of men. Jésus sait. Jesus knows. Que celui-ci est un traître. That each one is a traitor. Il a dit. He said. Un d'entre vous va me trahir. One of you will betray me. Et c'est vrai. And it was C'était Judas. It was Judas. Jésus connaît le cœur de l'homme. Jesus knows the heart of quand man. Quand il t'appelle à lui. When he calls you to him. Quand tu décides de venir. When you decide to come. Il faut que tu sois vrai. You must be true. Jésus ne te demande pas d'être puissant. Jesus does not ask you to be powerful. Jésus ne demande pas d'être intelligent. He does not ask you to be intelligent. C'est lui qui viendra te donner l'intelligence. He is the one who will come to give you intelligence. C'est lui qui viendra te donner la puissance. He is the one who will come to give you the power. Ce qu'il te demande, what he requires c'est que from tu you sois vrai. Is that for you to be true. Que tu sois sincère. That for you to be sincere. Quand tu dis Jésus, when you say Jesus, je vais te suivre. I want to follow il you. Veut que ce soit vrai. He wants this to be true. Et que tu pèses and that you weigh les conséquences. You weigh the consequences. Que tu énumères bien les choses que tu dois enlever de ta vie. And that you enumerate all the things that you have to remove from your life. Essayez de venir à Christ. Try to come to Christ. Sans calculer le prix. Without calculating the cost. Est une fausseté. This is coming to Christ without calculating the cost is tu a false. Tu dois savoir ce que ça va te coûter. Is a falsehood. You must know that which it will cost you. Ce que je suis en train de dire. What I'm telling you. Signifie que quoi? What does it mean? Que si tu es en concubinage. That you, if you are living in concubinage. Soit que tu es un homme qui a pris une femme, qui a gardé à la maison, sans d'autre, rien. Tu n'envisages même pas le mariage. Either you are a man who took a woman home and without doubt, without bride price, nothing. You do not even envisage marriage. Tu es mauvais. You are evil. Tu es mauvais. You are evil. Tu es mauvais. You are evil. Et donner la vie à Jésus veut dire accepter d'aller tout restaurer. Giving the life to Jesus means that you should accept to go and restore everything. Tu restaures la justice. You restore righteousness. Quand tu veux venir sans toucher ce dossier-là, Jésus sait que tu es faux. When you want to come without touching that file, Jesus knows that you are false. C'est pour cette raison qu'il dit avec des cœurs sincères de tout votre cœur. That's why he says with sincere hearts, with all your heart. Read. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes. Il dit même de jeûner. He even says that you should fast. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Que le jeûne est fini. That fasting is finished. It's false. C'est faux. It's false. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Un homme qui veut se repentir. A man who wants to repent. Doit regretter. Must regret. Doit jeûner. He must fast. Doit même pleurer. He must even weep. Lis. Read. Avec des pleurs. Avec des pleurs. With weepings. Et des lamentations.
des lamentations, des supplications, des cris. Christ, oh Dieu, oh God, j'ai trop péché. I have sinned a lot. Je suis mauvais. I am evil. Je mérite la mort. I deserve death. Oh Jésus, pardonne-moi. Forgive me, forgive me. S'il n'y a pas ça, if this is missing, c'est faux. It is false. Si quelqu'un te trompe, moi je sais des gens, je connais des gens qu'on trompe. Me, I know the people whom they deceive. On les trompe pourquoi? Why do they deceive parce them? Ils aiment les trompes. Because they love deceit. Ils aiment la tromperie. They love deceit. Ils aiment ça. They love that. Ils aiment ça. They love that. Lis. Read. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Dieu te dit, God tells you, si tu te repens, if you repent, je suis riche en bonté. I am abundant. Te pardonner. I am abundant in goodness. I je can forgive pardonner you. Tous tes péchés. I will forgive all your sins. Je veux me repentir des maux, des plaies que je voulais t'envoyer, c'est-à-dire des jugements. I will repent from the judgment that I wanted to send on you. Tout ce que j'avais résolu d'envoyer contre toi, je veux annuler. All that I decided to send against you, I will cancel it. Ça fait partie de la restauration. This is part of restoration. Quand Dieu décide, when God decides, de ne plus te frapper, no longer to strike you, de ne plus te combattre, no longer to fight parce you. Parce que quand il te combat, when he fights you, si tu es commerçant, if you are a trader, tu achètes la marchandise, you buy your goods, tu vends tout bien, you sell everything well. Quand tu veux calculer le bénéfice, when you want to check the benefit, c'est 200 francs. It is 200 francs. Ça veut dire que Dieu est contre toi. It means that God is against you. Tu mets un habit neuf. You put on a brand new cloth. Tu t'assois sur la chaise. You sit down on the chair. Quand tu veux te lever. When you want to get up. Ça se déchire. It is torn. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas? You ask yourself, what is wrong? Tu l'invoques. You call upon him. Il ne répond pas. He doesn't answer. Si tu es un jeune homme intelligent, if you are an intelligent young man, tu montres aux autres. You show the others. Tu fais les exercices avec eux comme leur maître. You do exercises with them and you show them as the master. Mais à l'examen, tu échoues et ils passent. But at the exam, you fail, but they pass. Ça veut dire que Dieu est contre toi. It means that God is against you. Beaucoup de personnes ne savent pas que Dieu combat le pécheur. Many people do know that God himself fights the sinners. Il envoie les maux. He brings evils. Il envoie les maux. He brings troubles. Il te trouble. He troubles you. Tu veux te marier. You want to get married. Personne ne te voit. Nobody sees you. Il dit, venez, jeûnons, pleurons. Peut-être Dieu va changer. He said, let us come. Let us come fast. Weep. Maybe God is going to change. Il est bon. He's good. Lis le verset 18. Read verse 18. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. Si tu te repens, if you repent, il aura pitié de toi. He will have mercy on you. Parce que quand tu souffres, because when you suffer, son nom est blasphémé. His name is blasphemed. On dit Dieu a créé les hommes. Regarde comment les hommes souffrent. They say God created men. See how they suffer. Donc il épargne son peuple. So he spares his people. Continue. Continue. L'Éternel répond. Il dit à son peuple. Quand on crie. When you cry out, on jeûne, on crie, on pleure, on se repent des péchés. We fast, we cry out, we weep and repent from sins. Qu'est-ce qu'il fait? What does he do? Voici,
Je vous enverrai du blé. Il dit, bon, c'est bon, c'est bon. C'est ok, it's ok. Je vous ai trop fait souffrir parce que vous étiez des pécheurs. I made you suffer a lot because you were sinners. Maintenant, la nourriture arrive. Now, food is coming. La nourriture arrive. Food is coming. Je vous envoie du blé. I send you wheat. La famine que vous voyez là. Elle vient de Dieu. The famine that you see. Pour punir les hommes. Stems from God to punish men. Les sages, the wise men, those who are wise, observent les choses. Observe things. Ils peuvent dire que cette famine-ci là, they can say that this, ça vient de Dieu. This hunger stems from God. Demandons pardon à Dieu. Let us ask God to forgive us. Les difficultés qui sont chez toi. The difficulties that you are going through. Il est vrai que le diable existe. It's true that the devil exists. Mais regarde très bien. But check it well. Qui a laissé le diable? Who allowed the devil te troubler? To come and trouble you? Je te dis la vérité. I tell you the truth. C'est Dieu. It's God. Parce qu'il n'est pas content. Because he's not happy. Dieu n'est pas content. God is not happy. Mais quand il y a repentance, but when there's repentance, il dit c'est bon. He says it's okay. Envoyez leur à manger. It's enough. Give them food. Continue. Continue. Du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai. Dites amen. Vous êtes comment? Say amen. How are you? Dieu est en train de faire des promesses. God is making promises. Pour soutenir les cœurs repentants. To sustain repenting hearts. Continue. Continue. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Alléluia. Praise the Lord. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le chasserai vers une terre aride et déserte. Alléluia. Praise the Lord. We did amen. Amen. Son avant-garde dans la mer orientale. Son amen. Amen. Son arrière-garde dans la mer occidentale. Amen. C'est amen. Et son infection se répandra. Amen. Amen. Sa puanteur s'élèvera dans les airs. Parce qu'il a fait de grandes choses. Lis le verset 22. Read verse 22. Bête des champs, ne craignez pas. Car les plaines du désert reverdiront. Alléluia. Praise the Lord. C'est là où on dit que la pauvreté est finie. Là où il n'y avait pas les arbres poussent. This is where we say poverty is over. Where there was no tree, the trees sprang out. Continue. Car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Amen. Amen. Vous voyez les ça c'est les résultats d'une bonne repentance. These are the results of a true repentance, a Dieu good repentance. Appelle à la repentance. God calls to repentance. Le pécheur répond à l'appel de Dieu. And the sinner answers the call of God. Par la repentance. Through repentance. Avec des jeûnes, des pleurs. With fasting and weepings, des contritions, and contritions, et puis, and then, Dieu restaure, God restores, change le cœur, changes the heart, change l'esprit, changes the spirit, il lave, he washes, il justifie, he justifies, il sanctifie, he sanctifies. Après, and after, il envoie la nourriture, he sends food, il met fin à la misère, and put end, il an end to misery, il commande que les arbres poussent, he ordered the trees to grow, que le désert s'arrête, and that the wilderness stops. Ta vie and est un désert. The life is a desert. Mais ça va finir. Your life is a wilderness, but it will finish. Continue. Continue. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Jésus-Christ. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière saison,
Comme autrefois. Comme autrefois. As in time past. Oui, continue. Les airs se rempliront de blé. Tu vas dépenser ton salaire et il y aura le reste pour économiser. You will spend your wage and there will be a leftover for you to save. Tu vas faire un petit commerce. You will do a small trade. Il va te rendre riche. And it will make you rich. Les gens vont te demander, c'est tout ce que tu fais pour avoir tout ça. People will ask you, so is it that which you do to have all these? Tu leur diras oui. You say yes. Car le Seigneur multiplie. For the Lord multiplies. Il fructifie. And he makes it fruitful. Il a béni mes mains. He has blessed my hands. Tu leur diras. You will tell them. Moi-même, je reconnais. Myself, I know. Que c'est la faveur de Dieu. Acknowledge that it is the favor of God. Tu leur diras. You will tell them. Moi-même, je suis étonné. Myself, I am astonished. Quand je vois. When I see. Ce que j'ai investi. What I have invested. Ce que je récolte. And what I'm harvesting. Moi-même. Myself. Je sais que c'est Dieu qui a I fait. I know it is the doing of the Lord. Tu seras un exemple. You will be an example. Un témoignage. A testimony. Continue. Continue. Et les cuves regorgeront de moût et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Alléluia. Si. Alléluia. Il va remplacer. He will replace. Ce que les démons ont détruit quand tu étais entre leurs mains. What the demons destroyed when you were in their hands. Ce que les maris de nuit avaient volé. What the spirit husband stole. Il va remplacer. He will replace. Quand Dieu te restaure. When God restores you. Il ne te fait pas recommencer ta vie à zéro. He will not make you restart your life from il the beginning. Il t'établit sur la bénédiction. He established you on blessing. Ce n'est pas que à 95 ans il te dit commence à créer un champ de cacao maintenant. It's not that when you are 95 years old he tells you start creating a plantation of cocoa now. Il va te bénir d'une bénédiction qui va remplacer les années. He will bless you with a blessing that will replace the years. Si tu avais perdu deux amis, il te donne quatre ou six. If you had lost 2 years, he will grant you six. Si tu as perdu deux amis, if you had lost 2 friends, he will give you six. Il va te donner quatre amis, six. He will give you 4, 6, 7. Et tu seras parmi ceux qui reçoivent beaucoup de cadeaux le jour de leur anniversaire. And you will be among those who receive a lot of gifts on their birthday. Parce que le nombre d'amis est important. Because the number of friends is important. Les années dévorées. The years that have been devoured seront remplacées. Will be replaced. Oui. Yes. Écoutez. Listen. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré le Gélec, le Hazil et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Amen. Vous voyez? You see? Les choses qui attaquent les gens là. The things that attack people. Ça vient de Dieu. Is from God. Dieu les laisse. God allow them. Il appelle les sauterelles sa grande armée qu'il avait envoyée. He calls the locust his great army that he sent. Qui pouvait imaginer que les criquets qui dévorent les plantations venaient de Dieu? Who could imagine that the locust that devour plantations were from God? Quand les criquets viennent de Dieu, when the locusts are from God, les hélicos, les hélicoptères, vous pompez les produits. Quand vous pompez, même ça se multiplie. You will need helicopters to come and spray the plantation. Even when you spray, it will be multiplied. Ils se multiplient là. They are multiplied there. Mais quand les gens se repentent, but when people repent, Dieu donne l'ordre, ils s'en vont en même temps. Foum, ils s'en vont. God gives them orders. They fly and then they go. Parce qu'ils connaissent la voix de celui qui les a créés. Because they know the voice of the one who created them.
Et mon peuple, oui, vas-y. And my people gone. Vous mangerez et vous vous rassasirez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Jamais, jamais, jamais. Never, never, never. Continue. La restauration va jusqu'à la plénitude du Saint-Esprit. And the restoration goes up to the fullness of the Holy Spirit. C'est ça qui couronne. It is, vas-y. It is that which crowns. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Non, relis ça à haute voix. Read it again loudly. Après cela, after that, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. I will pour my spirit on all flesh. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est ce que nous vivons ici. This is what we are experiencing here. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Acclamation. Clap of faith. Restauré. Restored. Appelé. Called, sauvé. Saved, restauré. Restored. Et c'est ça qu'on va célébrer ce soir. And this is what we'll be celebrating this evening. Mais avant cela. But before that. Si un invité. If an invitee. Pense qu'il doit entrer dans la gloire. Thinks that he should enter the glory. Dans la gloire de la rédemption. In the glory of redemption. Lève la main. Raise your hand. Levez-vous, vous venez ici. Stand up and come here. Levez-vous. Stand up. Rejoignez-moi ici. And join me here. Levez-vous et rejoignez-moi ici. Stand up and join me here. Venez entrer. Come and enter. Dans la joie. The joy. De la restauration divine. Of divine restoration. Venez. Come. Venez. Come. Quand Dieu appelle, when God calls, le pécheur répond par la repentance. The sinner repents, sorry, et Dieu, answers through Dieu repentance. Poursuit son œuvre, and God pursues his work, en restaurant le pécheur, by restoring the sinner, en changeant son cœur, by changing his heart, en lui donnant son esprit, by giving him his spirit, en le lavant, by washing en him, le purifiant, purifying en le him, sanctifiant, and sanctifying en him, le justifiant, by justifying et him. Et il ne s'arrête pas là. And he does not stop there. Il restaure. He restores. Dans les bénédictions. In the blessings. Il chasse de sa vie. He casts out of his life. La faim et la soif. Anger and thirst. Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Venez, venez, venez. Oui, lève-toi et viens. Yes, stand up and come. Acclame très fort. Clap loudly. Acclame de manière à briser les chaînes. In a way to break chains. Briser les chaînes des démons. Chains of demons. Jésus Christ. Jesus Christ.
Lève-toi et viens. Stand up and come. Acclame. Clap. Lève-toi et viens. Stand up and come. Acclame. Clap. Acclame. Clap. Jésus-Christ. Jesus Christ. Lève-toi et viens, lève-toi et viens, lève-toi et viens. Stand up and come, stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Acclamez, acclamez. Clap. Acclamation à Jésus. Clap offering to Jesus. De Jésus-Christ. Jesus Christ. Lève-toi et viens, lève-toi et viens. Stand up and come, stand up and come. Dis à Satan. Tell Satan. Le maître a besoin de moi. The master needs me. Jésus a besoin de moi. Jesus needs me. Et puis, lève-toi et viens. And then, stand up and come. Oui, dis yes. À Satan, Jésus yes. A besoin de moi. Jesus needs me. Jésus m'appelle. Jesus is calling me. Quitte sur mon chemin. Get away. Jésus m'appelle. Jésus m'appelle. Be removed from my way. Jésus m'appelle. Jesus is calling me. Jésus m'appelle. Jesus is calling me. Jesus is calling me. Acclamé. Jesus is calling me. Lève-toi et viens. Stand up and come. Si tu es un frère, lève la main. If you are a brother, raise your hand. De nous brisons les chaînes. Say we break the chains. Nous libérons les invités. We release the invitees. Dis Satan. Say Satan. Dans la bataille qui nous oppose à toi. In the battle that opposes us to you. Concernant le salut des âmes. Regarding the salvation of souls. C'est nous. We are the ones. Qui avons le soutien de Jésus-Christ. Who are supported by Jesus. Lui qui nous a envoyé. Jesus sent us. Retire-toi. Get away. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Dis pécheur, viens. Say sinner, come. Jésus t'appelle. Jesus is calling dis you. Dis encore pécheur, viens. Say again, sinner, come. Jésus t'appelle. Jesus is calling you. Dis la troisième fois, viens. Third time, come. Jésus t'appelle. Jesus is calling you. Maintenant. Now. Lève-toi, tu viens. Stand up and come. Oui, lève-toi, tu viens. Okay. Yes, stand up and come. Tu es déjà délivré. You are already delivered. Non, il y a des gens qui doivent venir. Le Saint-Esprit. There are people still need to come. Oui, acclamer. Yes, clap. Acclamez. Clap. Si tu vis dans le péché, if you live in sin, ce que nous venons de dire, what we have just said, veut que tu comprennes que tu dois te lever et te donner à Jésus-Christ. Wants you to understand that you must stand up and give your life to Jesus. Bientôt on va arrêter. Very soon we'll stop. Lève-toi tout de suite et viens. Stand up right now and come. On va arrêter bientôt. We will stop very soon. Lève-toi et viens. Stand up and come. On va arrêter bientôt. You stop soon. Lève-toi et viens. Stand up and come.
On va arrêter bientôt. Lève-toi et viens. We stop soon. Stand up and come. Oui, acclamez. Yes, clap. On va arrêter bientôt. Lève-toi et viens. We stop soon. Stand up and come. On va arrêter bientôt. Lève-toi et viens. We'll stop soon. Stand up and come. Acclamons Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus. Acclamons Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Lève-toi et viens. Stand up and come. Stand up and come. Lève ta main droite si tu es un frère. Raise your right hand if you are a brother. Dis, nous arrachons toute âme dans les mains du diable. We snatch every soul from the hands of the devil. Nous arrachons toute âme dans les mains du diable. So we snatch every soul from the hands of the devil. Satan, va-t'en vite. Satan, depart quickly. Libère. Release. Et ne touche à aucune âme. And do not touch any soul. C'est Jésus qui les appelle. It's Jesus. He's calling them. Lève-toi et viens. Stand up and come. Levez vos mains. Raise your hands. Vous allez répéter après moi. You are going to repeat after me. Dis Seigneur Jésus-Christ. The Lord Jesus. Tu m'as appelé à toi. You called me to you. J'ai dit oui. I say yes. Je sais que ta promesse va s'accomplir dans ma vie. I know that your promise will be accomplished in my life. Que tu vas changer mon cœur. That you will change my heart. Je te dis merci. I thank you. Je veux un nouveau cœur. I want that new heart. Je décide de laisser les querelles, les vols, les mensonges, l'adultère, la fornication. I decide to abandon quarrels, lies, adultery, fornication. I decide d'abandonner toutes ces choses. To abandon all these things. Je te demande pardon. I ask you to forgive me. Lave-moi par ton sang. Wash me by your blood. Et donne-moi ce nouveau cœur que tu m'as promis. And give me that new heart that you à promised. À partir de ce soir, from this evening, que je commence une nouvelle vie. Let me start. Allow avec, me to start un, a new, avec un cœur pur. A new life with a pure heart. Étant lavé, purifié. Being washed and purified. Par ton sang. With your blood. Oh Jésus. Oh Jesus. Viens mon secours. Come and help me. Pose les mains sur ta tête. Lay your hands upon dis your head. Dis Seigneur. Say Lord. Je reviens étant malade. I'm coming being sick. Fatigué. Weary. Des fardeaux et des blocages. With burdens and blockages. Oh Jésus. Oh Jesus. Aie pitié de moi. Have mercy on me. Aie pitié de moi. Have mercy on me. Aie pitié de moi. Have mercy on me. Guéris-moi. Heal me. Délivre-moi. Deliver me. Oh Jésus. Oh Jesus. J'accepte qu'on me sépare de la sorcellerie. I accept to be separated from witchcraft. Qui règne dans la famille. That reigns in the family. J'accepte qu'on me sépare des malédictions. I accept separated from curses. Qui maintient tout le monde dans la misère. That keeps everybody in misery. J'accepte la délivrance. I accept deliverance. Personne ne m'oblige, j'accepte volontairement. No one compels me, I accept voluntarily. Parce que j'aime Jésus. Because I love Jesus. Dis Satan.
C'est Satan. Même si j'ai vécu dans le mensonge. Even if I lived in lie. Et dans le péché. In sin. Je me repens maintenant. I repent now. J'accepte Jésus. I accept Jesus. Ne me suis plus. No longer follow me. Dis Marie de nuit, tous les démons. Je ne veux plus vous voir dans ma vie. I no longer want to see in my life. Même dans mon sommeil. Even in my sleep. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Partez. Be gone. Dis Seigneur merci. Say Lord, thank you. Merci Seigneur. Thank you Lord. Merci Seigneur. Thank you Lord. Amen. Amen. Y'a les bandes.